astuces malignes pour retrouver un sol impeccable. Notez 3,9 à 9 hôtels. Nettoyage du sol est rarement une partie de plaisir. Il s'agit souvent d'une zone étendue, ce qui signifie forcément plus d'efforts. De plus, tous les sols ne sont pas logés à la même enseigne. Question entretien et ce qui convient pour l'un n'ira pas à l'autre fait en une autre matière. Pour toutes ces raisons, les petites astuces sont toujours bonnes à prendre. 1. Vaporiser un peu d'eau dans la pelle pour que les poussières y restent. Ainsi, elles ne voleront pas partout, vous donnant au passage deux fois plus de travail de ramassage. 2. Mettez de la cannelle au creux de votre main et aspirez-la. Il y aura une bonne odeur épicée dans la pièce au lieu de l'odeur de poussière qui se propage souvent quand vous passez l'aspirateur. 3. Gardez vos sachets de thé usagés de côté et faites-les infuser dans un seau pour nettoyer votre sol en bois. Découvrez d'autres idées pour recycler vos sachets de thé en cliquant sur ce lien. 4. N'achetez plus de lingettes pour votre balai, préférez utiliser de vieilles chaussettes douces. Un tour en machine et vous pourrez les réutiliser. Cette solution est plus économique, permet de recycler une vieille paire de chaussettes et fait donc moins de déchets. 5. Faites votre produit pour le sol maison avec le jus d'un citron, une cuillère à soupe de savon râpé et une petite tasse de vinaigre blanc dans de l'eau chaude. 6. Pour ranger efficacement vos pelles et balais, utilisez un crochet et un lien autobloquant. Vous pouvez accrocher le tout au dos d'une porte ou sur un mur pour un gain de place et une praticité incomparable. 7. Pour remplir un seau facilement, vous pouvez utiliser le pommeau de douche ou un manchon isolant enfilé sur le robinet. 8. Une pelle propre peut aussi faire l'affaire pour remplir votre seau. 9. Pour retrouver un petit objet perdu, utilisez un morceau de vieux collant apposé sur le tuyau de l'aspirateur et maintenu avec un élastique. C'est parfait pour la boucle d'oreille qui était perdue dans la moquette ou sous le canapé. 10. Faites une poudre pour rafraîchir votre tapis avec des ingrédients simples. Saupoudrez, laissez agir 2 heures et aspirez. Retrouvez la recette de poudre facile sur ce lien. 11. Utilisez du Coca-Cola pour retirer une tache d'huile sur le sol du garage, versez en dessus, laissez agir et rincez à l'eau claire. Sinon, vous pouvez aussi tester la technique qui emploie du bicarbonate. Elle est développée juste ici. Sourcy Articles Liés, 5 astuces pour rafraîchir un vieux sol en bois, 3 astuces pour entretenir son parquet, la technique imparable pour décrasser et faire briller votre sol en lino.